Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre let's play sur Minecraft Story Mode saison 2. Du coup, on est parti pour craft un arc. Et comment on craft un arc? Tu me diras, comme un arc en fait. Du coup, on est parti sans perdre plus de temps, les amis. Hop, hop, hop. Et demain, du coup, je continue The Walking Dead. Hein, toujours, hein, on avance bien. Oh, c'est cool, on fait deux let's play. Ça diversifie la chaîne et c'est bien. Et hop, on crée un petit arc. C'est nickel. Joli. Et on perd Super. Pas, on ne perd pas plus de temps. Allez, c'est l'heure de faire quelques cartons, hein? Il me fait vraiment penser à nous. Tu sais, au tout début, pressé de se faire une place. Toujours prêt à découvrir ce qu'il y a au prochain tournant. Et il a de la chance de t'avoir. Tu as la fibre d'un pédagogue. Ouais. Il aura le meilleur prof du monde. Allez, comment on allume ce truc débile? On dirait qu'il a besoin de notre aide. Pour l'allumer, j'ai vu qu'il y avait un truc en haut, donc tu tires. Très bien, bouton. À nous deux. Oh là là, oui. C'est trop cool! Ok, Lucas. On va montrer à l'admin à qui il a affaire. Alors on est prêt? Shoot, c'est parti! Bon shoot. Très bien, pas les cochons, pas les villageois. Tout en douceur. Ok, je note. Voilà, première étape fait. Non, 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 on va tuer en haut. Fuck. Ok, on en a un sur les deux. Ok, donc lui, on tue lui. Ok, très bien. Souvenez-vous de frapper toutes les cibles dans les foules. Bah, faut être rapide. Waouh. Joli tir, Jesse. Et ouais, merci, je suis un Radar. Pro. Ah, ça va être du gâteau. Voilà, bim bam boum. Alors attendez, on se concentre. Allez, allez, allez. Voilà. Non plus, non plus. Non plus, oui. Voilà, c'est parfait. Et bah nickel. C'était un peu plus compliqué. Mais non, plus facile. Jesse, t'es trop fort. Je vais trop copier tes techniques. En avant pour le troisième round. Encore? Oh là. Ah. Ok, on se concentre. On se concentre. On se concentre. Oh. Oups. Oups là. Ok. Ça fait beaucoup quand même. Attention. Alors. Merde! Raté! Ah, j'ai pas vu! Oui, aïe, excuse-moi! J'ai pas vu la cible! Vraiment énervant! Oui, mais. J'ai pas vu la cible, excusez-moi! Désolé! J'ai vu un Mexicain, donc j'avais envie de taper du Mexicain, moi! Non! Voilà, nickel. Pas cette fois. Aïe. Souvenez-vous de frapper. Mais alors, je veux bien. Hein. Mais c'est buggé votre truc aussi. Il y a les Mexicains qui passent au-dessus, je suis d'accord. Et comment je suis censé faire là pour... Voilà, c'est bon. J'ai réussi. Allez, allez. Voilà. C'est bon là, voilà. Et... Par pitié du monde, c'est fini. Jesse, t'as réussi. Ah. Yes. Génial.
mal, pas mal. Vous savez viser. On dirait presque que mon défi était trop facile pour vous. Oh, mais non! Je suis en train de vous taquiner! Et voici le niveau 2! Vos, accrochez-vous! Qu'est-ce que tu... Oh non! Attention! Vos! Jesse, faites attention à vous! Vite, par ici! Suivez-moi! Radar, allez! Mais Voss n'est pas... Jesse, je veux pas tomber! Parfois, il faut faire semblant, Radar. Sois un héros! Oui, d'accord. T'es fini, hein? On a réussi! Fichons le camp d'ici. Lucas a repoussé ses golems. Le gros est à moi. Pourquoi le gros est toujours au héros? Je veux pas être un personnage secondaire, neuf. Voilà. Et bim bam boum. Wow. En fait, je sais pas où ma souris, donc c'est pas pratique. C'est pas pratique. Aïe, ok, bien joué. Non, Lucas, c'est... au secours. Hey, le monstre, tu vas tâter de ma voiture. Oui. Bien joué, Radar. Ah, tu as réussi. Prends ça, espèce de franglais, son débile. Bon, il bien reste joué. Plus qu'à nous trouver une citrouille et à ouvrir cette porte. Allez, vas-y, défonce-moi cette putain de citrouille. C'est bon. Maniez-vous avant qu'il ne nous ponde un niveau 3. Comment on fait? Allez, vas-y. Vite. Voilà. Oui, oui. Hey, fonce, run by when, abandon and dance, run by... C'est peut-être pas exactement ça, la chanson, mais on se débrouille pas mal, on va pas se mentir. C'est pas mal. On a réussi l'épreuve de l'arc. Pour l'instant, l'admin joue avec nous. Hein. En même temps, c'est un admin. Hein. Tous les serveurs, il y a un admin et tout. On s'éclate, quoi. C'était... Oh, wow. Je veux dire, Voss... C'est pas ta faute, Radar. Voss doit être encore dans les environs. On va le retrouver. Tu veux tâter de ma bravoure? Ouais,
ça me semblait approprié. C'était drôlement tendu. Ça serait bizarre que je te prenne dans mes bras. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est le bon moment pour un câlin. Waouh, tu fais des super câlins. C'est trop mignon. Petra. Hé, hey, vous avez vu Voss? Il était avec nous et en une seconde, il s'est envolé. Oh, au secours! Il y a quelqu'un? Oh non, 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 non! Personne ne mérite ça. Même pas Stella. D'accord, elle se la raconte un peu et elle est pas très gentille avec les autres, mais... c'est aussi un être humain. Stella nous a empoisonné la vie. Mais c'est pas une raison pour qu'on la laisse tomber. Ah, t'as raison. Ok, non, 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 non. Vous me décevez beaucoup, beaucoup. Vous n'êtes pas censé vous entraider. Les perdants sont censés perdre. Comme le binoclard, là. Je ne vois pas comment Radar aurait pu se frayer un chemin hors de la salle sans vous. Vous auriez mieux fait de le planter. Je vous débarrasse d'un poids mort. Voir quelqu'un de ta trempe avec un boulet comme lui. Oh, insupportable. Il a autant de mérite que nous. Lui aussi, il mérite d'être là. Bon, vous m'avez convaincu. Je n'accorde pas souvent de deuxième chance. Oh, mais il y a une condition. Arrête! Oh non! Non! Non, 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 non! Oula! Oh non! Oh non, pas ça! Non! Non! Il est tellement petit! Voyons comment ce garçon se débrouille tout seul, ok? Vous pensez qu'il peut s'en sortir? Sans... espèce de... Vous en faites pas, les amis! Tout va bien, je... Oh, 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 non! Oh, non! C'est terrible. On peut pas rester comme ça. Il va devoir éviter tous ces cactus. Ces pistons sont... ils sont dans le passage. Il y a une porte! La porte! Par là! Il va pas y arriver. On ne va pas rester planté là. Jesse! C'est parti. Radar, la porte. Jesse, Jesse, je viens de réaliser. Peut-être, peut-être que je peux y arriver. Peut-être que je suis un héros. Ah non, c'était bon là. C'est pas possible. L'admin nous a demandé de réussir son épreuve stupide. Mais on pourrait trouver une alternative. Vous entendez? Oui, c'est Luna. Luna? Si ce lama peut aller de l'autre côté du mur, alors nous aussi. Ouais, il n'y arrivera pas à main nue. Quelqu'un a de quoi fabriquer une pioche? J'ai des bâtons. 3 diamants! Alors va pour une pioche en diamant. Eh ben parfait, allons-y. Voilà, c'est facile, hein. Pas besoin du tuto. Donc, 1, 2 et 3 diamants. 1, 2, allez, et 3. Je pouvais vraiment créer une houe, bah dis donc. Allez, vas-y, 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 tu casses, 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 tu casses. Oui. Salut, toi. Les tubes, ils vont vers le haut. Alors nos amis aussi, et on prend la même direction. Au risque d'enfoncer une porte ouverte, on peut pas grimper. Oh non.
Bah tu disais quoi? Oh, bah si on peut grimper. Il fallait plus vite les mecs, parce que sinon là, vous allez retomber à plat ventre là. Putain, ça dure longtemps leur popo, hein. Leur effet là. Là, on se rapproche. Excellent. Mais on ferait bien de se dépêcher. Si l'admin revenait et découvrait qu'on a cassé ses jouets... Ouais, on peut pas savoir dans combien de temps l'admin découvrira la supercherie. Ça risque de le mettre... très très en colère. Ouais, sans blague. Petra, on a assez joué selon ses règles. Tu le connais, il aurait sûrement fini par les changer de toute manière. Ouais, je crois que c'est vrai. Hey, regardez. Jesse, wouhou! Par contre, je ne vois pas Voss. Accrochez-vous, on va venir vous sauver. Vous avez intérêt à protéger mon lama. Surtout avec ces choses. Surtout avec... Ah! Ah, encore des horribles monstres. C'est même pas des Undermans, c'est des Undermans modifiés. Ils sont blancs, wesh. Dis le guignol prisonnier dans la glace. Ok. Bien vu. Regarde, on n'en a pas fini avec les Ender Creeper machin. Et ah, sérieux ce truc là là. On va devoir diviser pour mieux régner, les amis. L'un de vous va aller chercher la montre. Un autre viendra avec moi et Lucas pour secourir nos amis. Petra récupère la montre. Les amis, on n'a pas le temps de traîner. Jack, on a besoin de notre meilleur élément sur cette montre. C'est-à-dire vous. Faites-le pour Nurm. Bon, et vous avez intérêt à trouver Voss. Promis, soyez prudent, ok? Je me suis formé chez les jongleurs de TNT dans la crique du Béguin. La prudence, c'est ma seconde nature. Luna? Chérie! Luna! Luna le boude. Malin, Lama. Et ouais. Luna! Mais... mais pourquoi? Jesse qui vole à mon secours. Comme dans mes rêves. Je suis tellement soulagé que tu n'aies rien. Je me faisais du souci. Ouais, idem pour moi. Jesse. Pas mieux de te manier. Oh, ah. Les monstres sont en train de débarquer. Tout ce que je déteste. Allez, radar. On doit te sortir de là. Et vite. Allez, radar. On doit vite te sortir de là. D'accord. D'accord, d'accord. Oui, mais vite, vite. Il faut faire quoi? Ok, briser la glace. Enfin, c'est rapide, hein, avec une torche. Voilà. Vite! Ok, j'ai l'impression qu'ils seront pas partis longtemps. Jesse, coucou! Stella? J'ai pas trouvé la montre, comme tu peux le voir. Mais il y avait des écriteaux très, très mal fichus. Et finalement, me voilà. J'ai croisé les doigts pour tomber sur l'admin, que je puisse lui expliquer le malentendu. Mais quand on se parlera, je peux te dire qu'il réalisera que je suis une amie et une partenaire idéale pour lui. Stella, je t'en supplie, tu ne peux pas la mettre en veilleuse. D'accord, assez bavardé. Bon, et si tu me faisais sortir de là? T'es pas croyable. Merci. C'était une critique. Je regrette, Stella, mais je vais te laisser ici pour que tu puisses causer avec l'ennemi. Ça, c'est fort de café. Je savais que tu étais mon rival, mais je pensais pas que tu pousserais le vice aussi loin. Bonne chance.
Moi, c'était là, non, mais tu crois vraiment que je vais la sauver, elle? Je veux bien être gentil, mais faut pas être trop gentil non plus, hein. Allez! Maintenant, direction la montre. On se retrouvera, Jesse, je te le promets. Oui, oui. Basta. Elle va faire pote avec l'ennemi, bon bah tant mieux pour elle. Enfin, je pense, hein, logiquement. Quand l'ennemi va voir qu'elle est toute seule, il va faire. Voilà. Quoi? Je t'ai sauvé, Lama, te plains pas. Ah, t'es dragué comme ça. Tu es perspicace, Jesse. Bien sûr que oui. Voss, depuis le début? Non, pas depuis le début, andouille. Le véritable Voss n'aurait jamais survécu dans mon temple sous-marin aussi longtemps. Je suis déçu, Jesse. De toute évidence, tu n'as pas les épaules pour qu'on devienne vraiment amis. Mon partenaire. Quelle tristesse. Quel gâchis. J'arrive pas à y croire. Vous nous avez fait marcher. Vous croyez sérieusement que c'est comme ça qu'on se fait des amis? Oh, arrête. Tu as trouvé ça grisant, non? Cette espèce de rebondissement. Excusez-moi, monsieur l'admin. Youhou! Ces godiches ne veulent pas être vos partenaires, mais moi, si. Mais vous avez... perdu. Les amis, qu'est-ce qu'on fait? Techniquement, oui. Mais contrairement à eux, moi, je suis sensible à votre offre. Préparez-vous à courir. À mon signal, on détale à toute vitesse. D'accord. Hep. Attendez une minute. Vraiment? Tu crois que ça marcherait sur moi? Tu m'as bien vu, pourtant. Nous. Tu devrais observer Stella et en prendre de la graine. Pas très compétente, mais elle a une conduite du tonnerre. Ton état d'esprit, en revanche... Oh, enfin, rien ne fait plus mal que des espoirs brisés. J'ai créé tout ça pour toi. Rien que pour toi. Et comment tu me remercies? En trichant. Comment as-tu pu me faire ça?
Eh, hey, on a fait tout ce que vous aviez demandé, non? On a trouvé votre stupide montre. Hmm? Non. Vous cherchiez sans arrêt à sauver vos amis incapables. Ça annule pratiquement tout le reste. Je t'ai donné tellement d'occasions. Mais... tout n'est pas acheté. Non, non, non. Toi, tu n'es peut-être pas digne. Quoi? Dans les faits, c'est Jack ici présent qui a gagné. Oh, comprenez-moi bien. Elle a pas mal de failles qu'il faudra bien gommer, mais on y parviendra. À force. Non, tu ne peux pas. Jack! Où il est passé? Oh, te tracasse pas pour ça. Les losers comme toi n'ont pas à se préoccuper de là où vont les gens cool. Jack, non. Chut, je te le répète, ne vous tracassez pas pour ça. Le seul loser que je vois ici, c'est toi. Quoi? Quoi? J'en ai marre que tu me fasses me sentir mal. Je préfère me sentir bien. Et je me sentirai vraiment bien quand j'aurai expédié vos deux faces de rat dans un endroit où vous ne verrez plus jamais la lumière du jour. Non ! Jesse ! Ok, très bien les amis, ça fait que 27 minutes, donc alors, à qui avez-vous demandé de garder la monstre? Donc nous, ok, donc on a mis, Rada en tant que gardien de la montre, très très bien. Quand Petra vous a dit qu'elle cherchait des réponses, quel conseil lui avez-vous donné, vous et 36%, ok, très bien. Qui avez-vous suivi une fois à l'intérieur? Vous et 80% des joueurs êtes-vous allés avec Radar et Lucas? Très bien. Qui était... Vous et 42% avez choisi Jack. Ah d'accord. Vous et 49% des joueurs avez choisi de Cestella. Oh ça va, d'accord, j'ai compris. Oh là là. Vous devez être de drôles d'énergumènes pour avoir atterri ici. L'admin, eh bien, disons que c'est là qu'il envoie les gens pour lesquels il a des projets spéciaux. Vous l'avez sans doute remarqué, ce n'est pas un endroit très amical. Et les gens? Eh bien, ils ne sont pas très amicaux non plus. Là. Effectivement, très bien, pas de problème. Eh bien écoutez les amis, on va quand même s'arrêter là pour cette vidéo. 28 minutes, mais je préfère pas commencer un épisode tout de suite. Mais on se retrouve du coup très bientôt pour la suite de notre aventure du coup sur Telltale Game, et enfin sur Telltale Game du coup The Walking Dead et sur Minecraft Story Mode. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et voilà. Ciao, ciao tout le monde.